Salut tout le monde, ici Sneaktooth de retour avec Parasitev. Nous continuons notre exploration du zoo de Central Park. Alors ici on a un monsieur tout brûlé. Qu'est-ce qu'il a à nous dire? C'est parti, franchement, je m'attendais à en voir plus que ça, mais il nous bloque carrément le chemin. Aya, tu sais pas passer à côté, t'es sérieuse? Mesdames, messieurs, Aya Brea, celle dont les mitochondries sont très évoluées. Elle n'arrive pas à marcher sur de la neige. Génial. Alors, bon ben on va aller tout droit alors, hein. On n'a pas trop le choix. On a toujours une clé d'opéra qui nous sert à rien pour l'instant. Mais il est là l'opéra d'ailleurs, cool. Alors allons-y, allons-y. Je suppose qu'on peut aller un peu aussi sur les côtés pour voir s'il n'y a pas d'objet. Effectivement, est-ce qu'il n'y aurait pas un coffre là? Pas de coffre. Pas de coffre, mais on peut passer par là. J'ai l'impression, ouais. En fait c'est juste plusieurs entrées. Tout simplement. Oh waouh! C'est excellent! En mode attends, j'arrive! Et les vacances apportent la joie et bonheur en chacun de nous. Mais ce Noël sera sûrement le plus spécial de tous, Arg. Spécial car bientôt je ne serai plus sous le contrôle d'un hôte. Comme je le suis depuis la nuit des temps. Les humains sont faibles, les mitochondries n'ont pas besoin d'eux pour évoluer. Les mitochondries doivent maintenant prendre le dessus sur les noyaux. Cool. La suite logique, j'ai envie de dire. Hein. Faites attention à vos mitochondries, mesdames, messieurs. Ah ouais, c'est vrai, l'opéra était rempli d'ailleurs. Génial, ben, regardez bien ce qu'elle va faire aux gens. Yopi. Ouais. Dégueulasse. Purée. Oh. Elle en fait de la gelée, mesdames, messieurs. Elle en fait de la gelée. Ah, oh, c'est dégueu. Bouillie d'humain. Je dois aller en coulisses pour l'arrêter. C'est un peu tard pour ça. C'est un peu tard pour ça. Et quoi, on peut pas passer par là? Aya, tu sais pas juste... Tu m'énerves. Tu m'énerves, Aya, tu m'énerves! C'est quoi ce délire? Je suis peut-être obligé de passer par là? Ah, elle se remet à chanter, trop bien! Hey! Salut, petite! Mais attends-moi! Attends-moi, tire-lui dessus! Backstage. Trop bien, on rentre même sans passe VIP. On est des ouf, nous. Grâce à la mitochondrie. Pas besoin de place VIP. Allez, tu vas encore te battre? Tu vas encore te battre? Moi, je te défonce, tu vas voir. Pourquoi? Pourquoi fais-tu tout cela? Encore toi, mais tu arrives trop tard. Tu ne gâcheras pas mes plans comme tu l'as fait la nuit dernière. Arrête! Oui, peut-être celui-là, non? Je dis ça, je dis rien. Je crois qu'on va l'affronter à la toute fin de la zone. Où est-ce qu'elle est partie? Je suppose qu'on va aller par là. Hein. On va voir où elle nous mène. Ah, effectivement, faut suivre l'autre. Mais le cadavre... Ah, maintenant tu peux! Maintenant tu peux! Maintenant qu'il y a une petite fille en jeu, tu veux bien marcher sur le cadavre d'un gars. Génial, super. Alors là, un coffre. Ouvre-le! Aya, j'ai vu le coffre. Pourquoi tu veux pas l'ouvrir? Aya! Le coffre. Ouvre le coffre. Ah, quand même. Munition plus 15, ça, je veux bien. Non, attends, tu vas où? Mais c'est même pas par là que je dois aller, ici. Reviens en arrière, je crois que j'ai vu encore un coffre. Par là, non? Ouais. Vie. Oui, bien sûr qu'on prend la vie. La vie, la vie, la vie... J'aimerais bien qu'il y ait un épisode de la vie qui parle des mitochondries.
qu'on explique qu'un jour elles vont évoluer et nous faire muter. Oh putain, l'ours polaire! J'avais oublié ce mastodonte. Ah oui, ils sont balèzes par contre, on va rester bien loin. Ah, ils font des Hadoken! Putain, ils font le pouvoir de Blanca. Voilà, bon, heureusement, ils ont pas trop d'HP. Hein. La vache! Mon dieu! On utiliserait bien un médicament, hein. Ça nous ferait un peu de place comme ça en même temps. Voilà, génial. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sauvegarder parce que ça commence à puer quand il y a des ours polaires et mutants qui nous attaquent. Voilà, petite sauvegarde. Hop, voilà, je me sens mieux là, je me sens rassuré. Hop, encore un coffre. Munitions plus 15, ça pue le boss tellement, ça pue tellement le boss. Alors, c'est pas une porte là apparemment. Da fuck. Bah alors, on va retourner en arrière. On va repasser par là, j'espère qu'on va pas retomber sur un ours polaire. Est-ce qu'il y a vraiment des ours polaires au Central Park, aux autres Central Park? Je sens que c'est possible, mais... on va peut-être continuer par là alors. Je sais que c'est énorme et je sais que le zoo est vraiment bien fait. Ok, petite. D'accord, tu vas par là, mais juste par curiosité, moi je vais aller par là. Attends-moi, hein. J'arrive. J'espère que tu vas pas tomber sur un ours polaire mutant. Bon, là c'est juste un tour, trois petits tours et puis s'en vont. Ah non, ça va, le sentier continue par là. Parce que je suis sûr qu'il y a des goodies. Quand on suit pas le chemin principal. Je suis sûr qu'il y a des goodies par là. À moins que... Bah, y a bien des goodies par là. Qui a foutu ce truc là? Franchement. C'est n'importe quoi. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir ici? Un outil magnifique. Un outil génial. Justement, on en avait besoin. Alors. Peut-être aller par là. Maintenant, j'ai pas l'impression qu'on va avoir des random battles là. Oh bon, on va aller par là, hein. On va un peu suivre le chemin. Je suppose que c'est par là. Et par là, qu'est-ce qu'on a? Cool. Alors, ouais, on va déposer des objets. On va déposer la ferraille. Défense plus 1, génial. Ah bah vous savez quoi, on va l'utiliser tout de suite. Défense plus 1, t'es où? Défense plus 1, utiliser gilet SP. Cool. Oh! Bataille random, je m'y attendais pas. Ok d'accord, c'est que deux serpents. On va d'abord tuer celui qui peut nous empoisonner. Oh, il a failli nous attaquer l'enfoiré en plus. Et maintenant lui qui chill là-bas tranquille. Voilà, t'es mouru mon vieux. Bon, c'était easy game. Alors, on prend tout. Cool, on s'est refait le médicament qu'on avait utilisé. Tout se déroule comme prévu. Alors, on va aller par là maintenant. Donc, je suppose que c'est par là qu'on doit aller. Ah, ce labyrinthe quoi. Alors, là, encore un coffre. Je sais pas si on va au bon endroit en fait. J'aurais peut-être dû revenir en arrière, ouais, c'est pas grave. Ah, l'ours polaire et un oiseau. Ok, d'abord l'ours polaire. C'est le plus dangereux des deux. On va s'éloigner un max. Oh, l'a échappé belle. On l'a échappé belle. Non, pas l'oiseau. J'ai visé l'oiseau sans faire exprès. Attends, s'il te plaît. Attends. Aïe, coup de patte. Bon, que 14 dégâts, je m'attendais à plus, mais c'est peut-être grâce à... Ok, soin 2, restaure 60 HP. Alors, on va juste prendre les munitions. Voilà. Cool, nos soins deviennent de plus en plus forts. Maintenant ça. Allez, ouvre-moi ça. Gilet SV1. Ouais, non, c'est bon. Alors, par là maintenant. Ah, je sais pas si on va vraiment au bon endroit. Par là, qu'est-ce qu'il y a? Un coffre. Munitions, magnifique.
On va peut-être aller par là. Je sais pas, hein, je tâtonne, mesdames, messieurs. Je sais pas trop où on va. Vous voyez, cette zone est vraiment horrible. C'est le labyrinthe ultime. Ok, d'accord, là c'est juste pour faire un tour. Fait une petite promenade, hein, en temps d'hiver, pourquoi pas. Et là. Ok, là aussi. Zone qui sert à rien. Enfin bon, on a quand même récupéré des munitions. Bah alors on monte. On monte. On monte. Ah oh, la vache, quelle zone de merde. Bon, par là. Je suppose, hein, je vais au plus haut de la carte. Oh mon dieu, on est de retour là. Donc attendez. La petite, elle est par là. Et puis nous, on était allé à gauche, mais on va descendre maintenant. On va suivre le chemin qu'elle avait pris. Donc elle était venue par là. Ou peut-être nous, on doit descendre en fait, plutôt. Donc on vient de droite, donc on descend par là. Oh la vache, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Maintenant on va par là. Sauf qu'on a déjà... On est déjà allé par là. Donc quel est le fuck? Bon, retentons d'aller par là et on va reprendre un autre chemin. Oh, j'arrive pas à croire qu'on cherche un enfant dans un... Dans le zoo de Central Park. Et on est encore paumé, mesdames, messieurs. Bon, moi, ça nous donne une excuse de nous faire des XP, hein, en vrai. C'est cool. Allez, la barre datée, là. Bon, lui, il va nous faire son attaque électrique, là. Ok. Bon, toi, tu m'énerves, hein. Tu m'énerves. Voilà. Et toi, viens là. Oh, il a dû la recharger. Fait chier. Ça, c'est chiant, ça, qu'on perd du temps pour les recharges. Voilà, t'es mort. Magnifique. Pas de level up. Oh, je suis vraiment déçu. Ok, alors. Et si... on se faisait un petit soin. Génial. Bon, on va aller par là. Et on va essayer de prendre un chemin qu'on n'a pas pris. Donc nous, on était là. On avait été à droite. Donc maintenant, ce qu'on pourrait faire, c'est peut-être aller... Par là. Mais non, là, il n'y avait qu'un coffre, donc on va prendre à gauche, nous. On va prendre par là, maintenant, voir un peu où ça nous mène. Parce que sinon, je vois pas. Hein. Non, mais attendez, là, on refait encore le tour. Et ça nous ramène encore par là, donc c'est quoi ce délire? Waouh, mon dieu, cette zone. Cette zone. Quelle zone de merde. Donc attendez, ici. Ici, il n'y avait pas de chemin. Non, ça fait juste le tour. Ok, donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre l'autre chemin dans le sens inverse. Et puis, on va voir s'il y a d'autres débouchés. On va reprendre par là. Si on doit encore affronter un ours polaire ici, je vais péter les plombs. Ouf. Ouf, mon dieu. J'aimerais bien visiter le vrai Central Park, un de ces quatre. Je sais pas si certains d'entre vous ont déjà visité les États-Unis. Et pour moi, ça reste une destination de rêve. Ah, ben là, voilà. Ça, le Japon, bien sûr. J'ai pas encore eu... Enfin, je n'aurai pas encore le plaisir de visiter le Japon, mais ça viendra. Les États-Unis, le Canada, absolument le Canada. J'ai vraiment très 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 envie de visiter le Canada. Il y a Queen Potato qui part au Japon bientôt. Très très bientôt, elle part au Japon. Donc voilà, Arcel est là pour qu'elle vous dise comment ça se passe là-bas. De toute façon, je ferai des vlogs, je suppose. Oh, mais ils sont trop nombreux. Alors. 1 et 2. Cool. Bon, plus que deux. Allez, avec un peu de chance. Eh non, malheureusement, non. On n'a pas de chance, malheureusement. Je pensais les tuer d'un coup chacun.
Magnette. Allez, hein. Et hop. Magnifique. Pas de niveau supérieur, je suis un peu déçu. Oh, toute cette ferraille. Mais qu'est-ce qu'ils font avec de la ferraille, ces oiseaux-là? À moins que ce ne soit des pies et que... Et qu'elles avaient piqué des trucs comme ça. Alors, au niveau des HP, ça va. On n'est pas trop mal. Pas besoin de se soigner pour l'instant. Et puis, au pire, on a plein d'objets et de la magie. Alors, on passe ce magnifique pont. Mais vous, dites-moi dans les commentaires, c'est quoi vos destinations de rêve? Bon, je serais pas étonné si beaucoup d'entre vous, vous me dites le Japon comme moi. Parce que c'est assez commun. Mais dites-moi sinon, hein, s'il y a des trucs qui sortent un peu du commun. Dites-moi un peu quelles sont vos destinations de rêve. Et non, je ne vous ferai pas gagner des tickets pour y aller, malheureusement. Faut déjà que je me trouve des tickets pour moi-même. Ah, attention! Eh, merde. Alors, bon, faut absolument tuer d'abord. Oui. Ouh, ça va, on n'est pas empoisonné. Mon Dieu, j'ai eu peur. Ok, bon, plus que lui maintenant. Aïe, 19, espèce de... Enflure. Ah, on est trop loin, j'y crois pas, comment on a gâché nos occasions. Waouh, quoi? Eh mais, c'est pas possible, on va mourir. Putain, tue-le. Oh putain, oh mon Dieu, on a failli mourir. Oh, comment on a failli mourir, tué par un splash d'ours. Ah mais tu te soignes direct, hein. Holy shit! Holy shit! Oui, ça va mieux là. Hein. Là, je me sens mieux. Mon Dieu! Oh, on n'est pas passé loin de la mort. Hein. Alors, maintenant, où est-ce qu'on va aller? Oh, encore une battle! Mais c'est quoi tous ces combats dans cet épisode? Bon, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de parlotte, mais quand même. Alors, on va se mettre là. Voilà, histoire d'éviter ce coup à la con. Ah, peut-être encore un coup. Ah, j'ai pas pu éviter, malheureusement. Ok, lui, il est mort. Ah, il nous a touché. C'est chiant quand ils sont à deux comme ça. Hein. Allez. Yes, coup critique. Ça fait du bien. Niveau supérieur en plus, génial. Munitions, cool. On a combien d'HP maintenant du coup? On va utiliser un petit soin parasite, hein. Soyons fous. Ouais, allez, soyons fous. Par où aller maintenant? Par où aller? Peut-être par là. Testons. Ah là, il y a un coffre en plus. Qu'est-ce que tu vas nous apporter de beau, coffre? Défense contre l'énergie parasite. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Soyons fous, vu que c'est ce qu'on porte pour l'instant. Ok, là-bas tout au fond. On n'a toujours pas pu utiliser la clé du zoo, ou je rêve? Bon allez, ça serait bien qu'on avance un petit peu. Alors là... Bah on va continuer tout droit, hein. Je pense bien. Ah, un téléphone, ça veut dire qu'on doit pas être très loin d'un combat de boss. Et en parlant de combat de boss, un combat random devant un point de sauvegarde, c'est génial. Oh, les purées. Alors. Aïe, comment voulez-vous que j'évite ce truc? Alors, d'abord la purée. Ok, magnifique. Parce que bon, les oiseaux avec leurs 2 HP, les 1 HP là, je sais pas ce qu'ils veulent faire. Et voilà. Hop. Et hop. Ah, ça m'énerve qu'ils restent en vie sur le fil du rasoir. Allez. Ok, magnifique. Juste les munitions, ça ira, merci. Bon, petite sauvegarde. Parce que j'ai pas envie qu'on meure et qu'on doive se retaper tout ça. Oui, on enregistre notre enquête. Allez, appel. Oui, allô, commissariat, j'ai combattu des ours polaires. Alors, hop. On va se faire virer, je vous le dis, on va se faire virer. Je pense que c'est pas par là que j'allais, je devais peut-être passer par le chemin enneigé. Quelle horreur, regardez-moi cette énorme zone. Oui, bah vas-y, direct. Ah, combat de boss. Enfin, combat de mini-boss. Je les avais oubliés, eux.
Ah, ils sont trop chiants. Oui, oui, je m'en souviens. Oui, je m'en souviens. Allez. Il faut juste que je prépare mon arme et que j'attende, en fait. Dès qu'ils sortent... Attendez, attendez, attendez. Voilà, maintenant. Allez, cool. En plus... Ouais, en gros, c'est ça, le combat. En gros, c'est ça. C'est le jeu de la taupe. C'est le jeu de la taupe. Là, allez, lui, maintenant. Ah, c'est chiant quand il rentre dans le... dans la terre. Alors, attendez. On va avoir une attaque de près. Après, pour éviter leurs attaques, vous voyez bien, c'est vraiment pas compliqué. Voilà, dès qu'ils crachent leur truc. Ah, il a fallu que tu recharges, Aya. Mais qu'est-ce que tu tires maintenant? Il est parti, c'est bon. Ah, ça va, les attaques sont pas trop compliquées à éviter, comme vous pouvez le voir. Ah, il a fallu que je sois mal placé. Fait chier. Bon, allez. Hop, on se met derrière. Allez, vite et vite. Non. Aya, qu'est-ce que tu fais? Aya. Hop, tu t'en vas. Allez, chope-le. Bon, au moins un. Bon, il faut que je me soigne après ça. Alors, on va utiliser... On va utiliser un soin 2. Un soin 2, c'est bien, ouais. Magnifique. Heureusement que le temps s'arrête pendant les soins. Ça fait un peu zawerdo. Alors lui, il fait ça. Allez, rentre pas dans la terre tout de suite. Yes. Ah, deux coups critiques en plus. C'était génial ça. Bon, on a presque fini, on a presque fini. Rentre pas dans la terre, rentre pas dans la terre. Yes. Bon, lui maintenant. Lui, facile aussi à éviter. Allez, tire, 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 tire. Yes. Bon, plus que deux. Plus que deux. Ah, mais lui, il est plus gros que les autres. Merde. Bon, butons d'abord l'autre, le plus petit. Voilà. Ouh, on a failli se le manger. Ah, mais c'était le daron, lui. Bon, d'accord. Allez, rentre dans la terre, toi. Et puis toi, tu reviens ici. Allez, hop. Et hop. Meurs, mais meurs. Oh, putain, faut qu'on soigne. Faut qu'on se soigne. Oh, mon Dieu, le stress de ma vie. Médicament 2, ouais. Ouais, ouais, ouais. Il faut, ouais. Ok, là je me sens plus en sécurité. Ok, là. Yes, en plus on a évité. Mais tu veux bien mourir? Ok. Oh mon Dieu, il est énorme. Merde, j'avais oublié qu'il pouvait faire ça. Ok, tu vas être où maintenant? Tu vas sortir où? Ok, là. Ah, je sais plus comment on évite cette attaque. Bah non, de toute façon, il va rentrer dans la terre, là. Ouais. Juste pour être sûr. Juste pour être sûr. On va soigner un tout petit peu. Voilà. Analysons un peu son pattern d'attaque. Voilà, s'il sort là. Oh, merde. Oh, comment ça m'a touché, ça? C'est n'importe quoi. J'y crois pas une seule seconde. C'est du bullshit, mesdames, messieurs. Allez. Ok, c'est là que tu sors. Et c'est là qu'on va te toucher, nous. Aïe! Bon, le combat est bientôt fini. Hein. Le combat est bientôt fini. Allez, sors de ta cachette. Ah, mais il me touche avec le bout de sa... C'est n'importe quoi. En fait, c'est un ver de terre, en fait. Regardez son corps. C'est pas vraiment un serpent, c'est plutôt un ver de terre. Allez, sors. T'es bientôt mort, je le sais. Ah, yes! Là, on va gagner des niveaux, je suis sûr. Niveau supérieur, niveau 13. Ah, on a la barrière, génial! Utilise de la parasite énergie pour absorber les coups. Donc, en gros, ça augmente notre défense, quoi. Alors, bien sûr que je prends tout. Bah, attendez, vous avez vu ce butin de dingue? Magnifique butin. Alors, en parlant de butin, défense plus 1. Défense plus 1. Ouais. Et on va utiliser un médic... Non, on va utiliser un soin 2. Et on n'a plus assez de... On n'a plus assez. Bon, on va aller par là maintenant. Mon Dieu, c'était le combat du siècle. Alors. Voilà, c'était un sub-boss. Hein. C'était pas le boss final de la zone. Loin de là. Loin de là. Parce que le voilà, le boss final de la zone. Oh mon Dieu.
On va faire ça. Et putain, on n'a plus, beaucoup d'objets de soins en vrai. On va rester avec ça, c'est bon. Et ah ouais, voilà, ici on peut... On en a 592 maintenant, des 592 pour nos amis français, des points bonus. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va augmenter notre active time. Et l'active time, c'est quoi? C'est la vitesse à laquelle la barre d'AT se remplit. Et ça, c'est vraiment balèze. On va servir de ça. Yes. Bon, là, on n'a pas assez, de toute façon. Dans 8 points, on en reparlera. Bah, magnifique. Allons-y. Moment dramatique. Tes jets ne sont plus forts que je ne le pensais. Venez donc, ma chère, partons faire une petite balade. Ok. D'accord. Bah, tu nous emmènes où? Hein? On va faire un tour? Yes! Cheval heavy metal. Et c'est parti! Boss final de la zone! Dans un calèche. Pourquoi? Pourquoi être du côté des humains? Pourquoi je ne le serais pas? Je suis humaine. Pourquoi les suivre, eux, et pas moi? Parce que t'es moche. Comment? Allez, on y va. Combat en calèche. Voilà. Yes, coup critique, ça c'est bon. Voyez, c'est beaucoup plus rapide, la barre d'AT est beaucoup plus rapide. Voilà. Ok, cool. Oh, punaise. On a fait cela manger, hein. Bon, toujours, toujours rester en mouvement lors de ce combat. Toujours, toujours. Ok. Ah, attention ici. Ouh, on se l'est mangé, on se l'est mangé. Je le savais, je le savais. Allez. Meurs, Mélissa. Là, je crois qu'elle a beaucoup plus de... que d'habitude, que lors des deux premières rencontres. Ah, ça y est, on l'a eu ou pas encore? Alors? Ok. Il semble que tu n'aies pas encore compris qui je suis. Si. Bien, si tu ne sais pas, alors tes mitochondries te guideront. C'est d'ailleurs pour ça qu'elles t'ont emmené à l'opéra. Oh, tout s'explique. Qu'est-ce que tu racontes? Viens, laisse-moi te donner l'information à sa source. Oh, arrête! Arrête de me toucher. Si tu te joignais à moi, toutes les autres mitochondries du monde nous suivraient. Arrête! Elle essaye de m'absorber, mesdames, messieurs, c'est dégueulasse. Oh, pauvre cheval. Pauvre dada. Oh, ça me fait trop mal au cœur. Saute! Saute, Aya! Ouf. Ça, ça fait mal. Te laisse pas faire, Aya. T'es la meilleure. Encore un petit flashback, allez. Ça nous fera pas de mal, après tout. Ok, la petite fille. Docteur Clamp. Ah. L'autre petite fille. Et Docteur Clamp. Ah. Aya, Aya, réponds-moi. Papa. Ben, tu n'étais pas censé être au concert. Je suis venu avec maman, mais elle était toute bizarre. Oh mon Dieu. Repose en paix, Lorraine. Qu'est-ce que tu veux dire, Ben? Je suis venu avec maman, comme ça, nous aurions pu être ensemble tous les trois. Alors c'est pour ça que tu es venu me chercher. Maman est allée dans les gradins, mais elle était bizarre. Oh, repose en paix, Lorraine. Que veux-tu dire par bizarre? Oh la vache. Ça, c'est dur. On allait vers les gradins, puis je me suis senti mal. Je voulais retourner à la maison. Maman était pas comme d'habitude, papa. Et elle est partie, et tous les autres gens aussi. Lorraine. Oh, elle est no wife.
Oh, la tristesse. Les victimes furent plus nombreuses que la dernière fois. Nous ne pouvons plus par nous ne pouvons pas permettre mettre la vie des citoyens en jeu plus longtemps. Nous avons reçu l'ordre d'évacuer tous les civils lors de Manhattan. Fort heureusement, un grand nombre de personnes ne sont pas chez elles pour Noël. Que faisons-nous, monsieur? Nous restons encore un peu pour essayer de neutraliser Eve. Ne voulions-nous pas laisser l'armée s'en charger? C'est à nous qu'il revient de protéger cette ville. Aucune nouvelle d'Aya? Bon sang, où peut-elle bien être? Daniel, j'ai besoin de votre aide pour l'évacuation de la ville. Et notre seul espoir face à cette chose désormais. Je pars à sa recherche. On devrait pas la rater. Ah, laisse-le. Il vient de perdre Lorraine et il trouvera Aya. Vous deux, allez aider au bon ordre de l'évacuation. Ça pue. Ça pue. Hey, salut Cathy. Papa. Ben, je suis désolé, je dois retrouver Aya. Je sais que tu viens de perdre maman, mais je dois te laisser encore. Elle est partie où? Je sais pas, mais la seule personne qui peut vaincre la chose qui a fait du mal à ta maman. Kat, surveille le gamin pour moi, s'il te plaît. T'inquiète, mon vieux. Elle est bien gentille, hein. Elle est bien gentille. Papa. Encore. Tu aimes les chiens? Je vais te présenter le meilleur chien policier de toute la ville. Cool, Rex. Rex. Trop bien. Oh, ça va mal tourner, cette histoire, je sais pas pourquoi. Je peux montrer le chien en petit? Bien sûr, laisse-moi ouvrir sa cage. Non. Hé, hey, tu as de la visite. Oh, voici Shiva. Oh, le beau toutou. Trop beau. Hé, hey, j'ai l'impression qu'elle t'aime bien. Hé, hey, ça chatouille. C'est horrible. Oh, trop bien. Évacuation. Là, on va avoir le monstre de Cloverfield qui va détruire le pont. Oula, putain, t'as failli passer, mon vieux. Et voilà, tout Manhattan est désert maintenant, mesdames, messieurs. À l'exception de quelques policiers. C'est beau. On va en profiter pour terminer l'épisode ici. Merci de m'avoir suivi, c'était Snektout, et je vous dis au prochain épisode pour bientôt le jour 3. Gros bisous mitochondriaques. Au prochain épisode.